Salut mes pixels, bienvenue sur Entrechat. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Puisque c'est la semaine de lecture, je vais vous proposer de lire un livre ou une histoire. N'hésitez pas de liker, de partager, de s'abonner et d'activer la mini cloche de notification. Vous êtes prêts pour faire le check dans tac, tac, boum, hey. Let's go! On commence! La première chose, j'aime lire les histoires. Bon, je suis une fan d'histoire. Car j'oublie trop si... si je prends mon livre, je ne regarde ni mon téléphone, ni mon iPad, ni mon MacBook. Donc, j'oublie tout. J'aime les histoires. C'est mes préférés. Donc là, je suis en train de lire Sans famille, tome 1, Hector Malotte, La vie en rose. On commence de lire. Je m'appelle Rémi. J'ai 8 ans et je suis sans famille. Il est vrai que jusqu'à l'âge de 8 ans, j'avais une mère qui m'aimait beaucoup, comme toutes les mères qui aiment ses enfants. Comme toute mère, nous vivons seuls. Tous les deux, car sans mari, je croyais que mon père travaillait à Paris. Je ne le connaissais pas, puisqu'il ne rentrait jamais. En revanche, il envoyait de temps en temps de ses nouvelles. Donc, le papa envoie de temps en temps de ses nouvelles à Paris. Nous vivons heureux, ma mère et moi, jusqu'au jour où un homme qu'on ne connaissait pas, s'arrête devant chez nous. Point. C'est bien ici qu'habite la mère Barberin. La mère Barberin, c'est la fausse mère, c'est la belle-mère de Rémi. N'importe quoi, ça me fait pleurer. Mais pourquoi ça? N'importe quoi. C'est bien? Non, d'abord. Me demandiez. Oui, monsieur, c'est ici. Je vais l'appeler. Aussitôt, il pousse la barrière et avance vers la porte de notre maison. La deuxième page. « Bonjour madame, » dit-il en voyant ma mère. « J'apporte des nouvelles de Paris. »« Bonjour monsieur, » répond ma mère, inquiète. « Comment va mon mari ?»« Votre mari va bien. »« Il est seul, mon blessé. » Il est actuellement hospitalisé, mais il n'a rien de grave. Rassurez-vous, madame. J'étais à l'hôpital avec lui. Et comme je rentrais au village, il m'a chargé de vous donner de ses nouvelles. Donc, les nouvelles du mari de la mère Barberin, la mère de Rémi. Non, n'importe quoi. Donc, ma mère remercie vivement le monsieur et, après son départ, elle s'assoit et reste lentement silencieuse et pensive. Pensive ou pensive? Les jours passent et ma mère reçoit des lettres de plus en plus fréquentes. Dans chaque d'elles, son mari lui demandait de l'argent. Un jour 10 euros, 1000 euros, 10 000 euros, trop d'argent. La catastrophe, hein? Au bout de quelque temps, elle ne peut lui envoyer l'argent qu'il demandait. Alors Barberin lui dit de vendre Roussette, notre vache. Pas ma vache, leur vache. Et notre vache est vendue. Nous voilà donc sans vache, sans lait, sans beurre. Bon, si elle était de vache, il n'y a pas de fromage, pas de lait, pas de beurre. Donc, sans lait, ni beurre, rien. Qu'un morceau de pain au petit déjeuner et des pommes de terre bouillies au déjeuner et au dîner. Un jour, en revenant de l'école, ma mère me fait une bonne surprise. Je la trouve dans la cuisine, en train de préparer quelque chose, une tarte aux pommes. Mère, dis-je étonnée. Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare une tarte aux pommes. Tu aimes ça?
Ah oui, mère, j'aime trop les tartes aux pommes. J'ai demandé une tasse de lait et un morceau de beurre à l'une de nos voisines, deux œufs à une deuxième et quatre pommes à une troisième. Quelle bonne idée! C'est génial, dis-je fou de joie. Mais au même moment, une chose nous arrive. Et arrête ma joie. La porte s'ouvre brusquement et un homme apparaît, s'appuyant sur son bâton. Donc il fait comme ça, tac, tac sur le sol, n'importe quoi. Ah, mon Dieu! S'exclame ma mère en le voyant. C'est toi, Gérard? Quelle bonne surprise! Puis, elle me prend par le bras et me pousse vers lui. C'est ton père, Rémi. Je m'approche pour l'embrasser, mais il m'arrête avec le bout de son bâton. Donc, moi, c'est Rémi, par exemple. Donc, là, c'est le papa. Il m'arrête avec son bout de bâton comme ça. Donc, là, c'est le bâton. Bon, il m'arrête comme ça. Tac! Ne me prends... Non, 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 n'importe quoi. N'importe quoi, donc je suis une folle. N'importe quoi. Qui est cet enfant? Demande-t-il d'un air sévère, comme ça. Qui est cet enfant? N'importe quoi. C'est Rémi. Je t'avais pourtant dit. Deux. Il ne termine pas sa phrase et se met à me regarder d'un air étrange. Je prends peur et je circule instinctivement. Une pause. 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 Donc je vais me poser. N'importe quoi. Je vois que vous fêtez Mardi Gras. Donc vous connaissez déjà Mardi Gras. C'est la catastrophe. Pour moi, il ne passe pas bien. Pour moi. La catastrophe Mardi Gras. Donc il est gras. Dit-il, j'avais une faim de loup. Ah, donnez, donnez! Non, n'importe quoi. Et s'assoit sur le banc, près de la cheminée. Je le regarde timidement, chez un homme de 50 ans. Le père Barbara a 50 ans. Rigolez, dans les commentaires. Donc, le père Barbara a 50 ans. Rigolez, rigolez dans les commentaires. Donc, j'ai créé une nouvelle poésie. Donc, je vais l'écrire sur quoi? Mais n'importe quoi. Je vais l'écrire sur cette histoire. Donc, là, je vais ramener une feuille. Je vais écrire la phrase. N'importe quoi. Je vais ramener un stylo et je vais faire comme ça une croix 0%. N'importe quoi. Je voulais l'embrasser, me dis-je. Mais il m'a poussé. Pourquoi, mère Barberin, ne me pousse jamais quand je veux l'embrasser? Bien au contraire, elle me prend dans ses bras et elle me serre contre elle. Donc là, je vais tester avec là, n'importe quoi. Je vais serrer. Donc là, c'est quoi? Contre elle, elle me prend dans. Mais c'est quoi ça? Mais c'est mon doudou. Mais qui l'a trouvé? Les fantômes ou quoi? Mais non, des fantômes dans ma chambre. Oh, mes étoiles. Je suis effrayée des fantômes dans ma chambre. Mais c'est quoi? Méchance. Mais. Des fantômes. Venez, les fantômes, venez! Siri, Siri. N'importe quoi. Donc je vais l'envoyer là et si le fantôme le renvoie, donc je vais voir que c'est il y a un fantôme. Mais quoi? Ah, encore envoyé? Donc les fantômes me disent qu'il faut manger. Car je vais terminer l'histoire et je vais aller manger quelque chose pour... quoi? Mais pour que mon bidon... Mais pour que mon bidon soit gros. Bon, je mange trop, mais on va terminer. Car si je parlais, je vais terminer la vidéo 23 minutes et je vais pas lire deux lignes. N'arrête pas. Alors, tu n'as pas faim? Me demande-t-il en colère. Donc, comme ça. Alors, tu n'as pas faim?
N'importe quoi. Non, monsieur. En bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite. Donc, bon là, on va répéter la phrase. Et si vous réagissez, à notre vidéo, n'hésitez pas de liker et laisser un beau commentaire pour moi pour que je sois heureuse, pas triste comme Rémi. N'importe quoi. Bon là, je vais répéter la phrase. En bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite. Je cours vers ma chambre, comme moi je cours. Donc là, je vais courir dans ma chambre. Donc je vais venir là. C'est clair? Salut. Donc je vais courir dans ma chambre comme une folle. Donc je cours dans ma chambre. On dort quand on a sommeil ou quand on est tranquille. Or, moi, je n'ai pas sommeil et je ne suis pas tranquille. Au bout d'un moment, d'un pas lent, quelqu'un s'approche de mon lit. Je reconnais tout de suite que c'est la mère Barbara. Est-ce que tu dors? Me demande Barbara. Il lui répond ma mère Barbara, aussitôt couchée. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ma pause est terminée. Pourquoi tu as gardé cet enfant? Dit-il tout bas. Je t'avais pourtant dit de le porter à l'hospice avec les autres enfants trouvés. Donc, je vais vous dire, ça signifie quoi l'hospice? L'hospice, c'est une place, un grand endroit que les enfants abandonnés, on le met dans cette place. Donc, les enfants abandonnés, ça va me faire pleurer. Donc, mes larmes vont peser 1500 km². Donc, on va terminer. Pourquoi? Donc, vous voyez, mes yeux ont rougi. Vous voyez, le verbe rougir. Non. N'importe quoi. Donc, est-ce que tu laisserais m'emmener à l'hôpice, là où vivent les enfants abandonnés? Non, mon petit Rémi, bien sûr que non. Tu n'iras pas à l'hôpice. Et je le te promets. Et elle me prend dans ses bras et m'embrasse tendrement. Aussitôt, mes larmes s'arrêtent de couler. Et je me calme un peu. Je suis rassurée. Alors, tu as entendu de ce qu'a dit Jérôme? Oui, je sais maintenant que tu n'es pas ma vraie mère. Et que lui, il n'est pas mon vrai père. Ta mère, mon petit, on ne la connaît pas. Mère, comment vous m'avez, Raconte-moi tout. Un matin, à Paris, en allant au travail, Jérôme passe la rue Breteuil. On entend les cris d'un enfant et s'approche de la porte d'un jardin. Il aperçoit un bébé couché sur le seuil. Il voit un homme sortir de derrière un arbre et le sauver. Jérôme est embrassé car l'enfant est en train de pleurer de toutes ses forces. C'est un beau petit garçon de 5 à 6 mois, bien pourtant tout rose. Un super bébé, richement vêtu. D'autres ouvriers arrivent et tout décident de porter le bébé au commissariat de police. Le commissaire explique que c'est un enfant qu'on a volé et ensuite abandonné. Que va-t-on en faire? Alors Jérôme s'avance et propose de le prendre. Ce beau garçon, c'était toi, mon Rémi. C'est ainsi que je suis devenue ta mère. Et que tu es devenu mon enfant adoré. J'ai fini par oublier que tu n'étais pas mon vrai fils. Pas à l'hospice, dis-je, entends deux en sanglots. Donc, vous savez déjà le mot en sanglots. Donc, déjà, elle pleure en sanglots car elle pleure trop fort, comme ça. Ah. Ça, c'est pas pleurer en sanglots, mais ça,
c'est pleurer en sanglots. Hop, non, on va s'arrêter là. Oui, pouvoir t'élever convenablement, parce que nous ne sommes pas riches. Ne t'inquiète pas, nous travaillerons et tu travailleras avec nous. Ainsi, mère Barbera, si bonne et si douce pour moi, n'est pas ma vraie mère. Mais alors, qui est donc ma vraie mère? Donc, qui est donc ma vraie mère? Il y a au village deux garçons qu'on appelle les enfants de l'hospice. Ils ont une plaque de plombe au cou avec un numéro. Ils sont salés et mal habillés. Tout le monde se moque d'eux. Et les bas? Non, oui. Ou les bas? Et ils n'ont presque personne pour les défendre. Je ne veux pas être comme ces enfants. Je ne veux pas avoir un numéro au cou. Je ne veux pas être abandonnée et qu'on se moque de moi et qu'on me batte. Heureusement que les paroles de ma mère me consolent une fois de plus et elle me sait moins triste. Donc je vais terminer jusqu'à la page 17 et je vais terminer la deuxième partie. J'en termine. Ah ouais. Ah oui. Et là, mon petit bonheur ne dure pas longtemps. Certes, Barbera, ne m'aimait pas à l'hospice, mais il fait autre chose. Le lendemain, il me dit de mettre ma casquette et le suivre. Nous allons au village. Comme nous passons devant un café, un homme qui se trouve sur le seuil, appelé Barbera. Appelé Barbera. Donc il appelle Barbera. Donc l'homme assis sur le seuil appelle Barbera. Donc il dit Barbera, je suis l'homme qui est assis sur le seuil. Viens. N'importe quoi. Donc vous voyez déjà mes grimaces. N'importe quoi. Donc déjà toute ma famille me dit que je suis folle. Bon, moi, vraiment, je suis folle. Donc, un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris l'incassable de téléphone, pour que le téléphone, s'il tombe, il ne se casse pas. Bon, j'ai pris l'incassable de mon téléphone, je l'ai cassé en quatre. Mais j'ai pris encore. Maman m'a vu, elle m'a dit, c'est quoi, t'es folle, t'as cassé l'incassable, ça coûte 30 euros. Donc, je sais pas, ça coûte 60 euros ou 30 euros, donc je sais pas. Et aussi, en été, c'est le poisson d'avril, oui. C'était le poisson d'avril, c'est le 1 avril. J'ai pris l'incassable de maman, de ma tata et de l'incassable de mon incassable privé. Je l'ai cassé en 4, la catastrophe. Donc on a coudé, j'ai coudé 260 euros. Je termine. Je vais conduire cet enfant au maire, afin que celui me paie une pension pour le garder à l'élever. Le vieillard l'écoute et lui dit en m'en montrant du doigt. C'est un enfant qui vous gêne lui-même. Donc là, hop, vous voyez. Hop, là. Donc je vais m'approcher du caméra. Là, hop, tout. Vous voyez. Donc là, je vais m'asseoir là pour être près de mes pixels. Le vieillard l'écoute et lui dit, en montrant du doigt, « C'est un enfant qui vous gêne ou quoi ?»« Lui-même. » »« Et vous croyez que la mère va vous payer une pension ?»« Pension, c'est donner de l'argent. Bon, »« Donner de l'argent, bon. » Avant, il était... Bon, je vais vous montrer. Avant, en France, il était... Attends, je veux vous dire... Et vous croyez que le maire va vous payer une pension? Bien sûr que oui. Puisque ce garçon n'a pas de parents, il faut bien quelqu'un paie une pension pour celui. C'est juste. Il me semble. Non. Donnez-le-moi. Je n'y pensais pas. Je le prends, mais je ne l'achète pas. Je le loue. Je vais vous donner 20 francs par an. Avant, en France, il n'y avait pas l'euro, il y avait le franc. Ouais. Une longue discussion s'engage entre les deux hommes. Je vais dans la cour et je m'assois sur une pierre. Enfin, Barbera,
vient me chercher dans la cour et me ramène à la maison. Le lendemain, quand je me lève, je ne trouve pas ma mère. Elle est au village, me dit Barbara. Elle reviendra l'après-midi. Son absence m'inquiète. Je sens que je cours un danger, ne voulant pas être un seul avec Barbara. Et je m'en vais dans le jardin. Soudain, je l'entends m'appeler. Je rentre vite à la maison et je me cache dans mon placard. À ma grande surprise, j'aperçois le veillard et ses chiens. Je comprends que le veillard vient me chercher et regarde autour de moi. Mes yeux se remplissent de larmes. Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne qui va prendre soin de moi. Maman! Maman! Où es-tu, maman? Mais aucune voix ne me répond. Je dois donc suivre ce vieux docilement, car je préfère aller avec lui plutôt que maman n'est pas là. Plutôt que l'hospice. J'apprends plus tard que le vieux s'appelle Vitali. Vitalis ou Vitali? Et là, c'est en fini. Je ne reverrai plus jamais ma mère. Donc, il ne reverra jamais sa mère. Pas du tout. Il ne reverra jamais sa mère. Jamais, jamais, jamais. Hop là. En chemin, le père Vitalis parle à ses chiens comme s'il parlait à des enfants. Ses paroles si gentilles me rassurent que mon enfant, un petit oublié, mon malheur. Mon maître avance d'un grand pas, un grand pas. Et les chiens trottinent autour de lui. Il y a ici une photo. Une photo d'un vieillard avec un singe et Rémi et des chiens. Hop. Personne ne semble fatigué par la marche. Mais moi, je suis épuisée. Je traîne les jambes et j'ai la peine à suivre Vitali. Soudain, voilà que le ciel se voile des nuages gris et qu'il commence à pleuvoir. La pluie me glace jusqu'aux os. Forte, heureusement, un paysan charitable n'ouvre la porte de sa grange et nous passons ainsi la nuit à l'abri. Mais j'ai si froid, j'ai si faim que je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à endormir. Tout à coup, je sens un souffle tiède s'approche de mon visage. C'est Capi qui vient se coucher tout près de moi. Et délicatement, il se met à me lâcher la main. Alors que je me sens heureux, j'oublie la fatigue, le froid et mon chagrin. Je ne suis plus seule. Maintenant, j'ai un ami. Mes étoiles, maintenant j'ai terminé. Je vais vous laisser à la deuxième partie. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer mon stylo, mon nouveau stylo diamant rose. J'ai vu trop de stylos comme ça. Mais moi, je préférais... Maman m'a dit de prendre le bleu qui a réussi à aller la place que j'ai acheté ça. Il avait deux couleurs disponibles, le bleu et le rose. Le rose pastel et le bleu pastel. Bon, moi, j'ai vu que le bleu pastel, c'est pas trop ma couleur. Mais si je trouvais le blanc... pas un bleu pastel, mais c'est un bleu ciel. Donc mes étoiles, je vais dormir. Mais avant de dormir, donc je vais laisser ça là. Avant de dormir, mes étoiles, je vais vous dire, n'hésitez pas de liker, de partager, de s'abonner. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao, je vais dormir.